chanson La Valise, c'est la première chanson que j'ai écrite pour Johanna, au moment où elle cherchait des chansons pour un projet solo, qui s'est transformé parce qu'on s'est rendu compte que nos voix allaient bien ensemble, que ça marchait même visuellement, que ça pouvait être un duo. Donc on reste là, je chante... Tu peux t'approcher ici. Moi je peux rester en retrait. Ah si, je veux. Ouais, on va jouer, on va faire devant. On va jouer sur les trucs comme ça, en fait. Ok. Bah moi c'est mon troisième tournage de Scopitone du coup, j'en ai fait deux avec Mustang et là donc, le premier de Joe et Jean. Et les trois sont très différents puisque le premier on tournait au milieu d'une casse en Normandie dans la boue. Je t'ai tout niqué, je t'ai tout niqué, oh je t'ai bousillé, je t'ai bousillé. Comme les mots me cassent leurs joues préférées, je suis tellement, tellement, tellement désolé. Le deuxième c'était beaucoup plus sympa, on était... On était dans un appartement d'un copain, un très grand appartement, et il y avait des jolies filles, on rigolait bien, c'était sympa. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. J'aime beaucoup travailler avec David, parce qu'il travaille très vite, il travaille très bien. Il n'y a pas d'idée ni chichiteuse, ni voilà, prise de tête, c'est très efficace. Tout ce que je veux, mon amour. Jean, il a déjà fait avec son groupe et je connais d'autres de Carmen Maria Vega et d'autres groupes aussi. Et je trouve ça à chaque fois c'est très chouette, c'est très bonne humeur, c'est fait simplement. C'est chouette que de juste pouvoir prendre une douche, venir, mettre le maquillage, choisir mes vêtements sans que... En plus, le réalisateur va dire non, mais en fait, ça va pas dans l'image, c'est juste on fait ce qu'on veut. Et les directions sont très simples, on reste nous-mêmes. Il a toujours la bonne idée simple qui va faire qu'on va avoir envie de regarder le clip, la vidéo. Souvent, peut-être avec d'autres réalisateurs, c'est toujours une discussion d'argent et avant que tu peux vraiment avancer. Et là, c'est un peu l'inverse. On parle plus de tout ce qui est créatif, etc. Et voilà, comme je disais, on a commencé à 7h30. Il n'est même pas 9h et c'est déjà presque fini.